Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Viasté. Alors je parle un peu fort parce que on a un dispositif technique un peu différent de d'habitude. Comme vous voyez, pas de micro. On est en direct sur la page Facebook de Viasté depuis la place d'Armes. Il est, vous l'entendez, la cloche sonne, il est 16h. Une installation a été faite ici sur cette place. On va parler de l'agenda de nos activités. Alors, ça tombe bien avec Laurent. Tiens, Laurent, si tu retournais la caméra pour qu'on dise un petit bonjour tous les deux. Il y a déjà plein de gens. Il y a déjà plein de gens qui nous suivent. Voilà. Il y a... voilà. On va se voir. Voilà. Salut. On est tous les deux. Place d'Armes. On y sera tout à l'heure encore ensemble avec les responsables de cette manifestation. On en parlera. On en parlera ensemble. Mais on va faire un petit tour ailleurs si vous voulez bien. Laurent, qui on va aller voir? Alors, je vais essayer d'appeler. Caro. Caroline. Est-ce que Caroline nous a accepté? On va essayer de voir un peu, parce que oui, si il y a des activités dans la région de Bastia, on va en parler ensemble. Mais on va essayer de faire un petit tour de Corse ensemble des différentes activités qu'on peut faire. Qu'est-ce qui se passe comme spectacle, comme manifestation, comme... Est-ce que Caroline est là? Alors on essaie, ça joue en cours, on essaie de faire... Caroline, il faut que tu acceptes notre invitation, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir nous rejoindre et que ça va être compliqué. Peut-être que Caroline n'a pas de réseau, Laurent. Ouais, non. Peut-être, alors attends, alors, qui je peux essayer d'autre alors? Je suis sûr qu'on va passer, alors je vous l'annonce, on va faire le tour de Corse ensemble, on va aller voir. Une fois qu'elle aura réussi à récupérer le réseau et ses invitations, on va aller voir Caroline. On va aller voir, normalement, si tout va bien, Célia. On va aller voir Francine. On va aller voir Manu Léopold. Et on va aller voir Mathé aussi, tout le monde. On va aller voir aussi Marie-Jo, Arrigue. Je vais essayer d'attraper quelqu'un d'autre. Tiens, allez. Vas-y. Je vais essayer d'attraper... Célia, non? Elle était là, je l'ai vue tout à l'heure. Alors, Célia, où est-elle? N'hésitez pas. Mes chers collègues qui êtes en vacances, à envoyer un petit coucou à Laurent Simon-Paul et en tapant sur votre clavier, ça lui permettra de vous... Allez, j'essaie d'avoir Célia pour voir si ça marche. On va voir avec Célia. Et pendant ce temps, moi j'essaye aussi de récupérer le direct pour voir si nos amis internautes sont avec nous. Célia est là? Ah, ça est assez en cours. Mais ça en cours, allez. On a oui, Caro qui nous envoie un message comme quoi le réseau est un peu compliqué. Eh oui, j'en avais l'impression, j'avais compris. On a Célia. Problème de son. Non, il n'y a pas trop de problème de son. On parle moins fort que... On n'a pas le micro aujourd'hui. Et est-ce que Célia accepte l'invitation? Je ne sais pas. C'est en cours. Bon, mais on va attendre que Célia arrive. En attendant, on peut raconter ce qui va se passer, nous, à Bastia. Ça commence aujourd'hui, Laurent, raconte, puisque c'est toi qui vas nous présenter cette manifestation. Oui, on sera tout à l'heure avec Delphine Ramos pour présenter le festival Isulione qui aura lieu ce week-end et qui va durer quelques jours. Alors, ça a du mal à marcher avec... Bon, en attendant que toi, tu essayes de récupérer un de nos intervenants, moi je vais... Pas de réponse de la part de Célia. Il faut accepter Célia, si tu n'acceptes pas. Il y a Emmanuel Léopold qui nous fait un coucou. Il y a... Peut diffuser avec... on essaie d'attraper. Voilà. On a Emmanuel Léopold qui sera avec nous d'ici quelques instants, qui nous dit coucou. On a Lydia qui nous dit qu'il y a des problèmes de son. Non, c'est parce qu'on n'a pas de micro, parce qu'on fait un dispositif particulier, Lydia. Excuse-nous. Il y a Séverine qui nous dit bonjour. Il y a Albert qui lui aussi nous dit qu'il m'entend mal. Je vais parler plus fort, Albert. Brigitte, super chouette depuis la Belgique. Il y a Samil qui nous dit bonjour, il y a Joël qui nous fait des petits cœurs, il y a Sabine qui nous dit qu'elle nous entend elle aussi un peu de loin, mais ça va s'arranger, je vais m'approcher. Voilà. En tout cas, si les gens ont des idées pour ce week-end, ils peuvent... Oui, n'hésitez pas, puisque le but de l'opération du jour, c'est d'essayer de vous présenter les différentes manifestations qu'il y aura en Corse durant ce week-end, et puis même dans la semaine à venir. Tiens, puisqu'on parle des manifestations, si vous êtes dans la région de Bastia, on va en parler tout à l'heure, il y a cette opération, mais vous pouvez aussi, par exemple... Tiens, si vous êtes du côté de Fouriagne, ce soir, il y a un concert gratuit à Fouriagne, c'est Messagieri. Si vous avez envie de les retrouver, Messagieri, ça sera ce soir au village de Fouriagne et c'est un concert gratuit. On essaie d'appeler quelqu'un d'autre, Laurent? J'essaie de rappeler Célia, j'ai appelé Marie-Jo. Allez, on essaie de rappeler Célia. On a Chantal qui nous fait un coucou depuis la Bourgogne. On a Fernand qui nous fait un coucou. On a Patricia qui dit Patricia, on va essayer de la récupérer. Frédéric qui nous fait un coucou, Sophie qui nous dit bonjour, Isabelle qui nous fait des cœurs. On aurait été à côté de vous, vous êtes à côté de moi. Oui, on est sûrement à côté de vous si on est place d'Armes, sûrement. Sandra, Gaëlle, vous êtes à
bonjour d'un Corse depuis l'Ardèche. Mon île de cœur, nous dit Sabine. Coucou, nous dit Francine. Ben, Francine, est-ce que tu as essayé de récupérer Francine qui nous a dit coucou? Je ne la vois pas, Francine. Elle nous a fait un petit coucou. Normalement, tu devrais pouvoir réussir à l'inviter à notre live. Normalement, vous devez, chers collègues, vous Francine devez recevoir... Francine Massiane, voilà. D'accord, je la vois. Allez. Francine, je la vois. Et tu l'invites à participer à notre live. Normalement, Francine, tu devrais recevoir une invitation, puisque c'est toi maintenant qu'on est en train d'inviter. Et si tu acceptes l'invitation, tu devrais te retrouver avec nous en direct. Je la vois, mais je la vois pas. Bonjour, je continue avec les bonjours des internautes. Oui, 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 oui. Bonjour de Granville, en Normandie. On a Fernand qui nous dit un bonjour depuis le Québec. On a Patricia qui nous fait des cœurs. Il y a Marie qui nous demande s'il fait chaud Place d'Armes. Comment vous dire? Un petit peu, pour être tout à fait honnête. On meurt. Jean-Baptiste Leca qui est avec nous, qu'on peut aussi, normalement, on devrait retourner le voir. Il y a André-Yves Thor qui nous dit que si on est dans la région de Villanova, il y a Horizonte qui sera là. Je ne sais pas quand, par contre, André-Yves Thor. Coucou de Saint-Raphaël-du-Var, nous dit Nathalie. Et on a Patricia Travers qui nous fait des lol, peut-être parce qu'elle a vu qu'on était en train de galérer un peu pour essayer de, ouais, de récupérer nos différents internautes. Pourtant, je vous jure, on avait fait des tests. On a quelqu'un qui arrive? Oui, on a Francine. Ah, Francine, tu me sauves. Tu as vu, c'était pas compliqué. Francine et Manu. Ah, vous êtes ensemble? On est ensemble, oui. On a essayé de récupérer Manu et finalement, c'est ton téléphone marche mieux que celui de Manu, c'est ça, Francine? Tu nous entends, Francine? Oui, ça y est. Alors, dis-moi ce que... Parce que moi, je te vois pas, là. Dis-moi où tu es. Dis-moi ce que tu nous proposes non, de faire. Vois, tu sais, alors, je suppose brouille. Que si tu es avec Manu, c'est en Balagne que tu vas nous proposer une activité. Ça fait. Je vais vous montrer où on est. On est à Île-aux-Rousses. Alors, on va essayer de vous montrer où on est. Regarde cette vue. Mince, je ne sais pas. J'arrive pas. C'est là? Non, attends. Hop là. C'est imagine peut-être ça. Allez, allez, oui, c'est bien, tout ce téléphone. Vas-y. Bon, on n'arrive pas à vous montrer. Attends, peut-être que... Voilà. Appuie sur le bouton pour montrer de l'autre côté. Voilà. Les garçons, effectivement, sont à la plage. Ah, ça va, oui. Température, température à Île-aux-Rousses, Francine? 72. 72. Et du coup, avec ces températures, vous nous proposez quoi, vous, comme activité? Bon, attends, bien évidemment, il y a un petit peu de vent, comme d'habitude. Alors, comment te dire? Là, on est en train de siroter... un petit truc bien frais, on a une jolie vue. Et en fait, mais Manu, de quoi on va leur parler? On va vous parler de ça. Ah. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit le festival de l'âme. Ah, voilà. Le festival de l'âme. Mais c'est à l'âme, voilà, c'est pas Île-aux-Rousses. C'est l'ouverture. Ce soir, c'est l'ouverture du festival de l'âme. Et c'est la 25e édition, donc du 28 juillet au 3 août. Et nous, on avait envie de faire un petit focus sur ce très beau festival du film qui se passe Francine, en Balagne. Donc, si je peux 25 juste me permettre 10 oui, secondes. C'est Manu, si je peux juste me permettre 10 secondes. Oui. Sache-le, vous proposez de faire l'ouverture, c'est aujourd'hui. Sachez qu'avec Laurent Simon-Paul, on y sera en direct depuis le festival mardi. De l'âme. Mardi, finalement. On y sera mardi, allez, on dira entre midi et deux pour faire ça. Voilà. Mais continue. Tu m'as coupé dans mon élan, maintenant je ne sais plus. Voilà. Donc, on était en train de parler du festival auquel nous allons partir. Enfin, nous allons aller. Nous allons y assister. Moi, ça sera pour ma part. Donc, mardi soir, il y a la diffusion en avant-première du deuxième film donc, de Renato Frassati, Beatrice. Voilà, à 21h30. Tous les films sont diffusés à partir du soir, donc à 21h30. Bon, bien évidemment, ça se déroule sur toute la journée, Manu. Oui, alors dans la journée, dans une salle climatisée, vous pourrez assister à la diffusion de documentaires. Il y a une belle place faite aux documentaires, notamment aux documentaires Corse. On souligne au passage « On m'a donné la terre » de Francesco Artigli en clôture. C'est pas parce que j'aime bien ce documentaire, mais voilà, comme ça. Sachant qu'il a quand même été primé aux États-Unis, hein, en partant. C'est vrai. Jean-Philippe Rich aussi. Il y a Jean-Philippe Rich aussi. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses qui vont se passer très intéressantes. Donc dans la journée, vous pouvez avoir des documentaires et tous les soirs à 21h30, un film. Et puis le cinéma international, vraiment, est représenté de très très belles affiches. Dans un cadre, je sais qu'on y était déjà allé, c'est dans un cadre assez exceptionnel puisque c'est diffusé en plein air. On est plein dans le village, au bout du village, il y a le cinéma avec les étoiles au-dessus, c'est assez exceptionnel. Puis il faut savoir qu'il y en a vraiment pour toutes les tranches d'âge. Il y a aussi un site où on projette des films pour enfants, des dessins animés. D'ailleurs, il y a Boule et Bill qui sera diffusé en langue corse. Akupula d'Azoé, ou sa maman, dis-nous. Donc c'est vraiment intéressant. Il y en a pour tous les âges et c'est super. Voilà. Voilà, donc en fait, en Balagne, on n'est pas obligé d'aller qu'à la plage, mais bien surtout sûr. Quand il y a du vent. On peut aussi faire des choses un peu intelligentes, comme par exemple aller au Festival de l'Art.
L'un n'empêche pas l'autre. Merci Francine, merci Manu, je vous fais de gros bisous. Merci. Puis on se retrouve bientôt à la rentrée parce qu'il y aura plein de choses nouvelles aussi. Moi lundi je travaille, hein, si tu veux venir. Oui, nous aussi on travaille lundi, on sera à Bastia, mais on se retrouve bientôt. Allez, merci. En tout cas, Francine. Bye bye. Bisous. Ciao. Attendez, on vous remet un petit coup de mer. Allez, un petit coup de mer pour se dire au revoir. C'est gentil, on est en plein soleil. Vas-y, fais-toi plaisir. merci en tout cas à Manu d'avoir été avec nous. Donc, depuis Ilrousse, oui, en effet, depuis Ilrousse, disons depuis la Balagne de manière plus générale. C'est vrai qu'il y a le Festival de l'âme qui commence aujourd'hui. C'est vrai que nous, on y sera mardi. On parlera de plein de choses intéressantes avec Laurent Simon-Paul, notre spécialiste cinématographique à France 3 Corse du STL. Qui on va essayer de récupérer, Laurent ? Écoute, je suis en train d'essayer de connecter avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça va ? Tu nous entends, Jean-Baptiste ? Coucou, Jean-Baptiste. Ah, ça y est, il est arrivé. Jean-Baptiste, tu es où ? Et tu es où tu es, Jean-Baptiste ? Oui, c'est bon. Tu es en ligne. Fais attention. Dis-moi juste où tu es et ce que tu nous proposes de faire. Oui, on t'entend. Il a un réseau qui est un peu hasardeux. Hein. On t'entend. Ouais. Dis-nous vite où tu es et ce que tu nous proposes de faire. On t'entend très bien. Très bien. C'est la galère. Hein, je vous entends pas, moi. Ouais, oui. On s'entend assez mal. On a un petit peu attendu que c'était du côté de Grosset. C'était votre chemin. Et que c'était votre chemin. Malheureusement, c'est vrai que j'ai vu le réseau. Allez, on te laisse encore une chance pour nous vendre cette activité. Et ensuite, on ira prendre quelqu'un d'autre là où le réseau passe un tout petit peu mieux. D'autres, peut-être dans les villages aux alentours, d'autres activités à faire. Votre chemin, c'est à Grosset. Va y avoir votre chemin. Va y avoir aussi Couchens, ce qu'on va pouvoir retrouver du côté de Coas, quoi. Des jeunes bien prometteurs. Je pense que le nom est grandi de plus en plus. On entend de plus en plus parler. Et après, il y a toutes les activités, comme dans chaque région, les concours de boules, les concours de belote, et tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime faire l'été, concours de boules, voilà. Concours de belote, et le soir, un bon concert dans un village. Merci Jean-Baptiste, c'est on s'abandonne un peu. Je vous embrasse. C'est vrai que le réseau, on t'embrasse nous aussi, le réseau passe super bien là où merci tu es. Merci de nous avoir regardé, gros bisous. Si on essaie de récupérer Célia, qui est peut-être encore avec nous. Pendant ce temps, moi, je dis bonjour à nos amis internautes qui sont toujours là. Patricia qui nous dit qu'on est au top, Jean-Baptiste qui nous a dit coucou, mais ça tombe bien, on l'a récupéré, Nathalie qui nous fait le coucou depuis Saint-Raphaël, Paul-Antoine Simon-Paul, ça te parle peut-être Laurent, Paul-Antoine Simon-Paul, oui, très bien, je l'aime. Il y a quelqu'un qui nous dit on vous attend à Apriciani, et ça tombe bien, c'est France 3 Corse Viastel qui dit ça, donc je sais pas qui s'est connecté sous le nom France 3 Corse Viastel, mais on nous attend à Apriciani, à Matté ou Dimelio qu'on ira voir sûrement tout à l'heure. J'essaie de me connecter avec Matté, on est connecté avec Matté. Salut. Vacances ou travail, Mathieu ? Les deux, on essaie de faire les deux. Tu es où ? Tu nous proposes quoi ? Alors, je vais essayer de vous montrer si ça marche. Voilà, là, je suis en bas du Tourion à Bonifacio, comme d'habitude. On était la semaine dernière avec son. Voilà. Alors, Mathieu, juste pour info, la vue que tu es en train de nous proposer, tu sais qu'il y a une semaine, on l'a fait en direct sur la page. Je sais. Avec quelqu'un que tu connais peut-être. Ouais, je l'ai regardé, c'était ça. C'est quelqu'un que tu connais un peu, je crois. Un petit peu, mais bon, sans plus. Bon, on ne dira pas que c'était ton père avec toi. Et si je te propose, on va bouger parce qu'il y a un peu de vent. Ou alors, ah non, je suis bête. C'est bon, bonne image. C'est Mathéo qui est devant. C'est chez moi. Tu as mis à 400 km. C'est bien, c'est pas un peu du vent, Mathéo. Qu'est-ce que tu nous proposes, alors, à Bonifacio ? Qu'est-ce que je te propose ? On a... Il y a le centre culturel qui fait beaucoup d'activités avec l'Office du tourisme. On a le 4 août, un concert lyrique qui va se passer à l'église Saint-Dominique au profit de l'association La Marido, on a les Sourdiantes qui viennent aussi le 10 août à la Coupe Carrée. Barbara Vourtouna et Jean-Pierre Marcellesi que j'aime beaucoup. Le 26 août, qui va se produire également, je ne sais pas, il faut se renseigner sur le site de la mairie. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Il y a les 25 ans de l'association
d'IGDICHE, donc l'association du maintien de la langue et de la culture bonifacienne. Qui fait 25 ans, oui. Qui fête ses 25 ans et ça va être une belle soirée. Chant, poème, dialogue en bonifacien, etc., etc. On va passer une très belle soirée. J'en profite, je fais une toute petite parenthèse. Si vous êtes dans l'extrême sud, bien entendu, dans la région de bonifacienne, il y a plein de choses à faire, mais on fait aussi un coucou à Jeff, à Jean-François Perron, qui est la compagnie de Chacheron, qui tout rentre tout l'été, fait l'été au théâtre à Porto-Vecchio, à Lustre-Liège. Il y a tous les jours deux représentations, chez enfants, chez moins enfants. Et franchement, c'est super sympa. D'autres activités, alors l'art de la communication, on vient de parler de Porto-Vecchio, d'autres villages dans le coin où il y aurait des choses sympas à faire, des visites, des... Bah, écoute, en dehors de Bonifacio, moi je ne saurais pas trop te dire. Tu ne sors pas, c'est ça. Je sors. Après, voilà, je ne connais pas toutes les activités qu'il y a aux alentours. Beaucoup de vent, hein. Il y a pas mal d'activités proposées par le Centre culturel et l'Office du tourisme qui sont assez dynamiques. Sinon, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de concerts. Il y a des expos aussi à Saint-Jacques. Expo de peinture. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, chaque jeudi, il y a les concerts polyphoniques. C'est déjà pas mal. Merci Mathéo. Fais un gros bisou à papa. On viendra bientôt faire une balade à Bonifacio ensemble. Il n'y a pas de problème, même si on a transpiré un peu. Et on se retrouve bien entendu à la rentrée avec toi aussi. Ça va. Merci d'avoir été avec nous. Il y a Anne-Marie Goudichel qui nous dit « Et Delphine Ramos, on la voit à quelle heure ?» Et là, ça tombe bien. Ça, c'est les gens qui savent qu'ensuite, on va faire un direct avec les organisateurs de cette manifestation. On vous en parlera tout à l'heure, promis, ça sera un direct à part. Alors, il y a des messages, tu sais, il y a des messages. On nous dit qu'il y a Istatina à Villanova. Istatina à Villanova, c'est sûr. Il y a Horizonte ce soir. Il y a aussi, évidemment, le Festival de Polar à Ajaccio. Hein, ah oui. Et qu'il ne faut pas oublier. Sur la place voilà. Des Palmiers, je crois. Et là, j'essaye de joindre Célia, mais Célia ne veut pas nous répondre. En attendant, on fait un coucou à Anne-Marie Guidicelli. On a Marie-Antoinette Antoniote qui nous fait un bonjour depuis Montpellier. On a Jean-Jacques Philippe qui dit bonjour à Manu et Francine. C'est gentil, Jean-Jacques Philippe, elles étaient là tout à l'heure, mais nous non. Coucou, nous dit Laurence depuis Calvi. Tiens, si vous avez des infos sur ce qui se passe aussi à Calvi. Mon Dieu, Yann, tu vas fondre. Merci, Anne-Marie. Oui, je vais fondre. Laurence, si t'inquiète pas, est en train de fondre. Chantal nous fait un coucou. Il y a Jean-Baptiste Bennett, Nicolas Bennett qui dit à Jean-Baptiste qu'il est très joli, c'est gentil. Il y a Noël qui dit qu'on n'entend pas très bien. Ben oui, c'est parce qu'il y avait un peu de vent à Bonifacio, malheureusement. Vanina qui nous fait un coucou. Salut Vanina, on te retrouvera bientôt sur les réseaux sociaux, puisque toi aussi, tu vas nous faire plein de live Facebook bientôt avec une compagnie aérienne. Christine, qui nous entend pas très bien, c'est pas grave Christine, monte le son. Je continue avec le reflet avec Nicolas. À Gouargouallet, on va être bleu. Ce soir, viens à Gouargouallet, on va être bleu, nous dit Nicolas. Oui, pourquoi pas Marie-Josée qui nous dit que... Ah oui, c'est Marie-Jo qui nous dit que malgré les manips, ça m'annonce que le mode silencieux est activé. On va revenir vers toi, Marie-Jo, il n'y a pas de souci. Laurent, n'hésite pas. Alors, j'essaye de joindre Caroline. Allez, cette fois, on essaye de rejoindre Caroline. Caroline, si tu as l'invitation, n'hésite pas à accepter l'invitation et pas en mode silencieux parce qu'il faut qu'on entende. Albert nous dit de coucou et qu'il y a des opérations à Santa Lucia entre Pino et Lourdes. Et ensuite, Chantal nous dit bonne journée à tous. Sinon, le vent, c'est bien, nous dit. Ben oui, c'est vrai qu'on a du vent. Il y a beaucoup de vent, nous dit Noël Luciani, on n'entend pas très bien notre ami Matteo. On sait, Bonifacio. Il y a des endroits, comme disait Marina, les extrêmes, dans le Cap et les Bouches de Bonifacio, ils souffrent toujours un peu. Je viens de me connecter, je ne sais pas où vous êtes, mais c'est super. Ces chaises longues me font rêver. Joseph, Thomas, on va vous expliquer, Joseph, tout à l'heure, ce que c'est ces chaises longues et pourquoi elles sont là. Et il n'y aura pas que des chaises longues, il y aura des manifestations. Est-ce qu'on a réussi, Laurent, à joindre quelqu'un? Non, j'ai essayé de... Célia, toujours pas? Célia, toujours pas. Caroline, ça n'a pas l'air de marcher. Il doit y avoir un problème de... de direct. Célia... On va essayer un coup, Célia. J'ai réessayé. Pas de réponse à part de l'invité. Ok, j'ai réessayé. Célia... En attendant, on s'approche un peu du bord de l'eau en même temps. Allez. Alors, je
C'est pas trop de succès, pas trop de succès. Je vais essayer avec Caroline. J'essaye de rejoindre Caroline pour diffuser, co-diffuser avec elle. Si elle arrive à avoir un peu de réseau, ce serait bien. Alors on aimerait bien récupérer, qui nous manque? Caroline. Célia. Célia. Marie-Jo. Marie-Jo. C'est les trois qu'on aimerait bien avoir maintenant. Ouais. Mais après, c'est le problème de réseau aussi, hein, les tributaires de ça. Et en ce moment, c'est un peu... Allez, et puis mettez-vous un endroit où ça passe, si vous mettez-vous en wifi. Mettez-vous quand vous marchez s'il y a des trous. Célia, tu te connectes sur ta borne, sur ta... Je suis sûr qu'elle doit être au village, Célia. Tu te connectes sur ta box, Célia, en wifi, et on arrivera à te récupérer, j'en suis sûr. J'ai aucun doute. Même chose pour Caro et même chose pour Marie-Jo. Vous tapez chez quelqu'un, vous lui dites c'est quoi ton code wifi, vous vous connectez, on arrivera à vous récupérer. Il y a Patricia qui nous fait un coucou. Il n'y a pas trop de vent, Laurent, là, ça va? Il y a Patricia qui nous fait un coucou, il y a Joseph qui nous embrasse, il y a Corinne qui nous dit merci pour vos directs, toujours sympa, j'adorerais être avec vous. Bisous à tous de Bastia, dit Corinne, Ross, mais je ne sais pas d'où elle est. Mais il suffit de venir, il n'y a pas de problème. Allez, j'essaye de joindre Célia, mais ça ne marche pas très bien. Essaye. Alors, je regarde moi si. Non. Alors, de toute façon, on attend encore 3 minutes pour Célia, Caro et Marie-Jo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la liste des activités que j'avais préparées. On va s'en parler un petit peu. Alors, sachez que si vous êtes dans la région de... Je vais lire parce que... On a à Saint-Florent du théâtre. Ça se passe du 28 au 29 à Saint-Florent. Si vous avez envie, vous tapez Mostra Théâtrale des Pièves sur un moteur de recherche, vous aurez tout le programme. Si vous êtes dans la région, si vous aimez le sport, il y a au Casone à Ajaccio, il y a un open, c'est l'open d'été du Casone d'Ajaccio. On a aussi à Bocca di Uprat, tu as dit pour ce soir, le groupe Vitalba. Non, on l'a pas dit, Laurent, je t'en prie. Vitalba qui ce soir est à... Vitalba qui ce soir, qui continue la tournée... Le Col de Prap, c'est en Castanich, donc n'hésitez pas, le groupe Vitalba ce soir en concert. Là aussi, il suffit de chercher sur le moteur pour voir qui contacter pour réserver les places. D'autres spectacles à la Citadelle de Saint-Florent, les Arts de Saint-Florent, c'est aujourd'hui, au Bastion de France à Porto-Vecchio. Il y a une exposition, il y a la galerie d'Ajaccio, la galerie Corsicart Design qui organise une expo aujourd'hui aussi, vous pouvez y aller. Un été au théâtre avec Tiatiron, on en a parlé. Je continue de remonter. Ah oui, il y a des balades aussi, guidées en Costa Verde, contactez l'Office du tourisme de Costa Verde. Il y a plein de balades qui sont organisées en partenariat avec l'Office du tourisme de Costa Verde. C'est très sympa. Et si vous voulez faire une visite un peu moins sportive, il est juste... on a Caroline. Coucou Caroline. Je finis juste pour dire qu'il y a un trois-mâts qu'on peut visiter dans le port de Bastia, c'est le Belém. C'est un fameux trois-mâts qu'on peut visiter. N'hésitez pas. Caro, pourquoi je n'arrivais pas à te joindre? Parce que le réseau est un peu compliqué, est un peu capricieux. On va dire ça comme ça. Bon, là tu as réussi. Alors profite. Oui, faut faire vite. C'est ton moment, tu nous dis où tu es, ce que tu fais et ce que tu nous conseilles de faire. Alors je suis entre Capo les Sanguinaires, on voit en tout, voilà, c'est Terre Sacrée. Dans la région d'Ajaccio, avec de la musique en prime. Et voilà. Et c'est mon premier jour de vacances, officiellement. Alors moi, du coup, j'entends beaucoup moins bien parce qu'ils ont mis de la musique un peu à côté. Ça, c'est pour quand les opérations dont tu viens de nous parler? C'est ce soir, demain? Pas du tout. C'est alors pas mal de musique. Pour le Cargès Sound Festival qui aura lieu du 3 au 5 août prochain à Cargès. Une vingtaine d'artistes qui se produiront sur les plages du village. Voilà. Et c'est de la musique électro. Et c'est quand? Du 3 au 5 août. Voilà, du 3 au 5 août. Excuse-moi, je n'avais pas bien entendu parce qu'on avait un peu de musique ici aussi. Et puis, dans la région, il y a plein d'autres activités, je crois, du côté de Cargès, du côté de Vico. Ben, Vico, il y a encore, on est encore sur Sori Musica, mais ça ne va pas s'arrêter. Il y a plein de choses sympas à faire dans cette région. Ok. Ben, oui, tu es obligé de dire ça. Caro, merci.
le réseau passe juste concernant. On te fait un gros merci, un gros bisou et on se retrouve bien sûr à la rentrée avec plein de nouvelles choses te concernant, mais on n'en dira pas plus pour le moment, c'est ça ? Des surprises. Ah. Non, tant plus, c'est fini. Au revoir, Caro. Et un nouveau réseau. Au revoir, Caro. Salut. Ciao. La prochaine fois, promis, on achète une clé 4G et on arrivera à te joindre. Oui, du coup, comme on est, c'est vrai que nous, on est un tout petit peu en mode urbain, là, puisque je vous rappelle qu'on est, nous, place d'armes à Bastia. C'est vrai que quand on essaye de joindre Caro, elle était où exactement, Laurent ? Tu as entendu, toi ? Je crois qu'elle était... Elle était dans son village, hein. Dans les Dessous, de Seille, enfin vers là-bas. C'est vrai que là-bas, il y a peut-être un peu moins de 4G que pour nous ici, place d'armes à Bastia. Et si on tentait une dernière fois Célia, qui a sûrement dû voler la box de toute la famille pour réussir à nous joindre. Célia, un peu disparue. Attends, j'essaie de la trouver, Célia. Ou alors elle nous a carrément abandonné. Oui, pendant ce temps, moi, je continue à dire bonjour à nos... Oups. Alors, rassurez-nous, nos émissions ne seront pas sur Internet parce qu'on n'est pas encore au top. C'est rien, Marie-Jo, t'inquiète pas, ça se passera bien, il n'y a pas de problème. Merci, Marie-Jo. Et c'est pas grave pour les fautes d'orthographe. Célia Pichoc nous dit bonjour. Votre event est à Grosset ce soir et à Olen demain, 21h30 pour les deux cas. Bisous. Merci, Célia. Célia, avec laquelle on a... Et un antécédent. Marie, bonjour. Jeff, Miss Malvach, bonjour de Marseille. La musique commence à partir ici. Ça risque d'être chaud, tendu. On n'arrive plus à joindre Célia qui, malheureusement, est partie dans les meilleurs. Désolé, Célia, on aurait bien voulu t'avoir, mais t'inquiète pas. Pour notre prochain direct, Célia, on réussira à avoir une maison pour toi et on réussira à faire venir en direct pour que tu nous dises un petit coucou et ce que tu fais. Je sors de l'image parce que voilà, mais c'est quand même beau. Merci d'avoir été avec nous pour ce petit agenda en direct. Merci d'avoir essuyé les plâtres pour les gens qui y ont participé. Techniquement, c'est sûr, il n'y a pas du réseau, il y a du vent, mais on aura essayé, mais on fera ça et petit à petit on le fera encore mieux. Il est Laurent, il est très précisément 16h28. On se retrouve dans une demi-heure maximum. On sera avec Delphine Ramos. On sera avec les organisateurs de cette manifestation et là on sera en mode classique, comme d'habitude, avec un vrai micro, avec un vrai réseau 4G qui marche et ça sera toujours sur la page Facebook de Viaplay, là tout à l'heure.